Eh bien, le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto. Oui, je sais, c'est pas trop le thème de ma chaîne, mais je me suis dit, c'est vraiment un truc à faire sympa pour ceux qui sont un petit peu pas Apple addict, mais qui aiment bien les applications et tous les trucs dans le genre, tout ce qui touche au téléphone et aux applications de téléphone. Donc, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto sur comment créer une application vraiment simplement sur ça peut aller sur Google Store, sur Apple Store et sur Amazon. Donc Amazon étant gratuit, je pense vous pouvez faire une application payante, mais je ne vois vraiment pas l'intérêt, parce que c'est plus pour le plaisir de créer quelque chose de soi-même plutôt que être rémunéré. Enfin, je veux dire, vous n'allez pas être rémunéré avec une application comme ça, excusez-moi. Donc voilà, donc je vous mettrai tous les liens dans la description. Donc c'est très simple, je vais créer mon application. Je vous fais la traduction en direct. Donc voilà, on commence très simplement. Donc name your app, on va appeler ça YouPub, parce que oui, comme vous avez pu voir, une nouvelle intro parce qu'il y a eu des problèmes avec mon ancienne chaîne communautaire, enfin mon ancienne, même pas, parce que je n'ai eu aucune vidéo sur cette chaîne. Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas accepté mes vidéos. Donc on fait un style d'application, donc on va mettre other parce que vraiment c'est juste pour vous montrer. Next, grab my comments. On a besoin de ça. Bon, nos Facebook clicker. C'est sérieux? Ok, sur ce qui est du face commentary, j'ai aucun problème sur la webcam, on aurait pu voir ma tête, mais je trouve que ça n'a aucun intérêt sur ça. Je ne joue pas un jeu vidéo d'horreur ou quoi que ce soit. Donc voilà, on se retrouve enfin sur l'éditeur en ligne. Donc tout est en ligne, rien n'a téléchargé, hein, je voulais vous préciser. Donc ça commence comme ça. Hop. App page, on va commencer par les pages. Donc on peut ajouter pas mal de choses. On peut ajouter un Twitter, une page Twitter. Donc évidemment, faut mettre le nom de la page Twitter. Donc ce que je peux mettre, c'est, je sais qu'il y a beaucoup sur YouTube, il y a beaucoup de Minecraftiens. Donc voilà. Ah mince, parce que je suis moi. Voilà. Donc Minecraft, je suis un ancien joueur, mais j'y joue plus du tout, je vous le dis tout de suite. Donc voilà ce qu'on a. Hop, tous les posts sur Minecraft. Donc voilà, add tabs. Donc on peut ajouter autre chose. Maintenant on pourrait ajouter un Facebook par exemple. Enfin, je vous fais vraiment ça pour vous montrer, hein. On va remettre Minecraft, vous savez quoi? On va faire une application complètement Minecraft pour vous aujourd'hui. Donc Minecraft. Voilà, donc les onglets sont en dessous comme ça. Hop, c'est ajouté. Donc on va mettre un stylet navigation comme ça. Donc on peut changer le thème. Moi je vous ai mis un thème skyscraper. Donc ça veut dire gratte-ciel skyscraper. Ça fait un peu business. Après vous pouvez faire complètement autre chose, light si vous voulez. Je vois ça mieux, je ne sais pas du tout. Voilà, ça donne ça. Je trouve ça assez sympa. Page name, on peut le mettre comme ça c'est comment vous voulez voir les trucs apparaître. Moi je trouve ça sympa. Couleur, on peut changer. Moi je vous propose du vert, ça fait encore un peu plus Minecraft. Et le fond, on peut mettre plusieurs fonds proposés, mais moi je vais garder celui-là parce que je trouve sympa avec les écritures, il est sympa. On peut ajouter une image, hein, si vous êtes difficile et que vous voulez une image. Donc texte, on va l'appeler Minecraft. Hop. Comme ça. Enfin, je vous dis, j'ai aucune intention d'utiliser, c'est juste vraiment juste pour montrer. App icône, on peut le modifier, je vous mettrai un lien dans la description. La launch page, c'est-à-dire quand vous appuyez sur votre app au menu de votre iPhone ou autre smartphone, c'est le temps qu'elle met à allumer la page. Donc par exemple, on ouvre un Angry Birds, il y a écrit review, ben là il y a écrit como, vous pouvez modifier pour vous. Donc on va mettre en French. Merde. Excusez-moi, mince. Parfait. Voilà. Donc, on peut ajouter des pages. Je vais ouvrir ça vite fait. Et voilà, on se retrouve. Donc je vous ai ajouté une map, juste si ça vous intéresse, voilà. Avec Paris, j'ai mis au pied, j'ai mis la capitale, voilà. Exiting, editor, save,
donc quitter l'éditeur, sauvegarder. Donc vous vous inscrivez. Donc je vais le faire. Ok. Et voilà, donc là on retrouve sur un mode de paiement, parce qu'il faut bien qu'il se fasse un peu d'argent quand même, donc au basique, parce que voilà. Et voilà, donc c'est bon. Là, l'application est là, vous n'avez plus qu'à. Vous êtes sur Renet, voilà votre application. Vous pouvez la mettre, vous pouvez la submettre, ça veut dire soumettre à Apple Store. Donc il vérifie que vous ne mettiez pas n'importe quoi, évidemment, vous la soumettez. Je pense que moi ça passerait pas parce que j'ai mis des produits protégés, excusez-moi, Minecraft, tiens. Donc Android, ce que vous voulez, sur votre site, voilà. Pour finir, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mon premier tuto et je sais pas si j'en ferai d'autres parce que j'avais vraiment envie de vous partager cette astuce. J'espère que ça vous aura servi et je vous souhaite un bon jeu et une bonne création d'application si vous comptez le faire. À plus tout le monde!